Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot auto-publié que j'ai reçu de la boutique Essence Mana pour pouvoir le partager avec vous. Il est tout simplement magnifique. Ah bon, la boutique Essence Mana, je vous ai déjà présenté le Bellin de Johan qui est tout simplement magnifique, les runes de Bellin également que je vous ai déjà présenté. Ce magnifique tapis aussi qui est tout simplement magnifique. Je vous avais fait un petit short, je crois, avec celui-ci. J'avais également reçu ceci. J'ai tout pris ce que j'avais reçu de la boutique. Hein. Et d'ailleurs, ils vendent plein de chouettes choses. Des plateaux de rechargement, des bracelets, des pierres, des jeux. Enfin, plein de choses. Si jamais vous avez envie de trouver un chouette cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent, vous pouvez franchement aller voir. Il y a des pierres aussi, enfin, il y a de tout. Allez jeter un petit coup d'œil. Je vous ai mis mon code promo ici. Avec le code Laurence20, vous avez moins 20%, ce qui, sur une commande, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous mettrai, bien entendu, le lien vers le site Essence Mana dans la barre de description. Je vous remettrai tous les liens vers mes vidéos de tout ce que j'ai déjà présenté, hein, le Bellin, les runes. Tout ça, je vous mettrai bien dans la barre de description si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Et cette fois-ci, c'est le tarot de Johan. Je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai eu un réel coup de cœur. Il est magnifique. Il arrive dans un beau pochon en velours bleu avec son petit nom et tout, la fleur de vie. Très, très joli. Voilà, et il est dans une magnifique boîte encore, vous allez voir ça. Voilà. Regardez-moi la boîte comme elle est jolie, hein, le tarot de Johan. Voilà, elle va très bien avec le Bellin hein, à côté. Je peux vous le sortir à la limite pour vous le montrer. Il est juste là. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber par contre. Voilà, le pochon il est là. Et on va les mettre côte à côte. Vous allez voir que les boîtes vont super bien ensemble. Hein. Voilà, avec cet effet doré comme ça. C'est magnifique. Voilà. D'ailleurs, ça peut être chouette aussi d'utiliser le Bellin avec le tarot en combo. Voilà, donc le pochon, il est tout doux. Vous l'avez vu. Je vais le mettre sur le côté. Donc, la boîte avec des dorures partout. Hein. Voilà, c'est une boîte aimantée, comme pour le Bellin. Il arrive avec ça, c'est super original, des petits fascicules. Un pour les majeurs et un pour les mineurs. Je trouve ça chouette aussi. Et avec sur du carton bien épais. Et pour chaque carte, on a les mots-clés en droit et les mots-clés à l'envers. Donc, ça, c'est facile à emporter partout. Et je trouve ça très, très chouette. Voilà. Donc, ça, c'est pour les majeurs. Et on a la même chose pour les mineurs. Voilà. Classer tous les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Et ici, on a encore de la numérologie. Donc, ça, je trouve ça chouette et c'est pratique à avoir. Et ils ont une couleur différente, vous voyez, pour pouvoir les différencier. Voilà. Alors, bah, évidemment, on va regarder le tarot ensemble. Hein. Voilà, quand on l'ouvre. On retrouve ici encore des infos et on peut télécharger le livret en scannant le QR code. On a un petit ruban pour sortir les cartes. Voilà. La boîte est de très très bonne qualité. Les cartes aussi, franchement, c'est vraiment un jeu, un peu de prestige. Voilà, avec des dorures. Bon, vous voyez peut-être pas très bien avec le reflet de ma lampe, mais on a la fleur de vie ici. En doré, les tranches sont dorées, c'est un gros bébé parce que les cartes vraiment sont de très très bonne qualité, vraiment. Sur chaque carte, on a ici aussi du doré, hein. Vous voyez ici une bordure dorée et on retrouve le nom de la carte en doré. La spécificité de ce tarot, c'est qu'on retrouve les majeurs d'un Marseille. Donc ça, moi, en général, j'adore les majeurs. Dans les tarots de Marseille, c'est plutôt les mineurs qui m'ennuient. Et ici, ben, les mineurs, ce sera plutôt style Rider-Waite parce qu'elles sont illustrées. Donc, c'est un petit mix entre les deux et c'est super chouette. Voilà. Donc, pour la taille, vous voyez, un peu plus large et un peu plus haut qu'un tarot classique. Alors, les illustrations font très ancien, vintage. Je trouve ça très, très joli. On va les regarder ensemble, évidemment. On va regarder tout ça ensemble. Donc, on a ici le mât et les illustrations, j'aime beaucoup. Et l'effet un peu vieilli comme ça, des couleurs, c'est très beau. Le battleur, mais il a un petit côté moderne aussi. Hein. La papesse. Vous retrouvez le numéro ici. L'impératrice. L'empereur. Et là, on retrouve bien la numérotation du Marseille. Hein, en 4 barres pour le 4. On ne retire pas
de chiffres dans le Marseille, le pape, très beau, hein. Les couleurs sont très belles aussi, je trouve, l'amoureux, le chariot. Et on sent qu'il est vraiment de qualité, là, dans l'épaisseur des cartes, voilà. La justice du coup en 8, la force en 11, l'ermite est très belle aussi. La route fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, du coup la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Ensuite, on a les épées avec l'as d'épée. Le 2, donc là, on est vraiment dans le rider. C'est ça qui est chouette. Le 3, classique du rider. Le 4, le 5, le 6. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations. Le 7, le 8. Et comme il suit bien le rider, ben c'est chouette de l'utiliser en plus. Le 9, le 10 avec les nuages noirs, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Il est beau le roi. Il me fait un peu penser au roi des cartes à jouer. Ensuite, on a l'as de coupe, le 2, quelle belle couleur, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 avec ce bel arc-en-ciel, le valet, le cavalier, la reine avec sa belle robe et le roi. Ensuite, on a les bâtons avec l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 7, 6, pardon, le 7, 8. Pour ceux qui ont envie, ben, un rider, justement, mais peut-être pas le classique, eh bien, il peut être chouette. Le 10. Le valet, en se disant que c'est un jeu vraiment de qualité. Autant la boîte, les cartes, le cavalier. La reine est magnifique, son trône est magnifique. Et le roi. Et on termine avec les deniers, avec l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà pour ce magnifique tarot de Joanne. Bon, je savais qu'il allait me plaire dès que je l'ai aperçu, hein.
Mais franchement, je suis vraiment pas déçue parce qu'il est vraiment de qualité. Et j'aime beaucoup les illustrations et j'aime beaucoup le mix aussi majeur en Marseille et mineur en Rider-Waite. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué, s'il est sur votre wishlist, si vous le trouvez aussi magnifique. Si vous avez d'autres choses de la boutique Essence Mana, pourquoi pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous rappelle le petit code promo ici, Laurence20, pour avoir 20%. Hein, c'est toujours ça de prix si vous avez des cadeaux à faire. Et pour le reste, encore un grand merci évidemment à la boutique Essence Mana qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!